Hey Ismaël, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec l'artiste solo coréen Han Sung-woo, membre aussi du boys group coréen Victon, qui nous revient avec un troisième mini-album solo qui se nomme Frame. Et pour illustrer celui-ci, il nous sort tout simplement son titre phare et un MV qui l'accompagne qui se nomme Dive Into. Là je vois quelqu'un qui se promène dans la rue. Est-ce qu'on aura ce quelque chose de promener dans la rue? Je ne sais pas. Mais avant de blatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Mes chers Mélimélo, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. Alors je me souviens plus si j'avais apprécié son dernier retour, mais il me semble que oui. En tout cas je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Je n'ai vu aucun teaser photo ou vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura quelque chose de sensuel ou quelque chose de triste, quelque chose de pop ou de doux comme une balade? À voir, mais en tout cas j'ai l'impression que ça va se passer principalement dans la rue, sol mouillé, pluie. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélimélo en ce 27 juin. Moi écoutez ma météo du jour, aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Hier si j'ai pas su sortir mes vidéos, c'est parce que j'ai fait une réaction à mon rappel du vaccin du tétanos. Entre nausées, vertiges, petit malaise à cause de la tension mais également courbatures partout. Clairement j'ai fait une belle grosse réaction à ce foutu vaccin. Je l'avais fait aussi il y a une dizaine d'années, donc c'était pas vraiment une surprise, mais je me dis ok, ça fait 3-4 jours que je l'ai fait, ça devrait aller. Oui c'est ça, mais ton corps t'a dit merde. Heureusement que j'étais en repos hier et que j'ai pu me reposer, et j'ai préféré accorder du temps à ma santé et à me reposer que filmer, et je sais que vous êtes compréhensifs et voilà. Mais aujourd'hui je vais beaucoup mieux, à part que ce matin quand je me réveille je vois que j'ai une réaction cutanée également au vaccin. On m'a piqué pas vraiment à ma fesse mais un peu au-dessus, et c'est gonflé rouge comme une cible, et quand tu fais à la palpation c'est quand même assez dur, donc voilà. Je fais pas dans la demi-mesure, ça s'est mêlé comme d'habitude quoi. Mais bon, le principal c'est que je vais beaucoup mieux aujourd'hui et que je suis pas en mode larve comme hier dans mon fauteuil hein. Allez, let's go donc pour le retour de notre cher Sung-woo. Fais-t'elle la sette, tu vas tomber. J'ai l'impression d'être sa mère là. Sympa. J'aime beaucoup ce tout. Alors tu voyais qu'il était simplement dans la rue, tu avais des projecteurs qui donnaient ce petit truc, cette illusion qui est assez sympa. Là il est dans son appartement studio, on suppose, hein. Ok, hop, c'est vraiment les lumières qui fait beaucoup je trouve, hein. Et même avec ses néons rouges derrière qui reprend un peu sa tenue en fait, qui a vraiment ce côté rouge du néon, blanc avec le spot et le noir de la rue, sympa. On joue beaucoup beaucoup avec les lumières dans cette MV et je trouve que c'est appréciable. Ok, là il est dans un bar et carrément, on dirait qu'il a de la suie sur son t-shirt. Son collier, ça fait penser à Black Panther là. Pardon. Toujours aussi beau, hein, le petit pépé là. Très sexy. J'adore quand ils font ça. Et t'as le mouvement en même temps, c'est trop beau, je trouve.
Mais écoutez, j'aime beaucoup cette chanson, elle est vraiment sympa, hein. Simple, sobre, mais efficace. Il a fait son taf quoi. Bon, il retourne dans la rue. Hein. Il dit, j'ai fait mon show, c'est bon, je me casse. Dive into. Alors, vraiment le point culminant dans cet MV, c'est vraiment tout ce côté projecteur, ce côté néon, ce côté jeu de lumière qui faisait cette différence. Le MV dans sa globalité est très simple, on le voit tout simplement marcher. Pardon, dans la rue, un peu seul, solitude, seul et solitude, mais ça veut dire la même chose. Il performe aussi dans une sorte de boîte, comme si c'était peut-être un entraînement qu'il effectuait dans la rue, puis dans son studio, et puis il arrive sur scène dans cette boîte de nuit. Hein. Dans sa globalité, j'aime bien la chanson, qui a un côté un peu pop, mais balade et un peu seul à la fois, je trouve. J'ai l'impression qu'il veut nous dire que c'est comme si tu voulais plonger mais complètement dans tes pensées ou dans les pensées de quelqu'un au niveau des paroles, tu vois. C'est quelque chose de très sobre, de très simple, de très efficace et il fallait pas faire plus, je pense. Donc oh oui, cette chanson est quand même un coup de cœur, toujours aussi beau, hein, toujours aussi beau. J'aime beaucoup le fait que les styles vestimentaires sont très simples, mais lui va très très bien. Ce côté noir, très sobre, qui est mis en avant tout le long du MV. Donc non, je trouve que son titre est pas mal, c'est un très bon retour. Maintenant, j'ai hâte quand même d'écouter le reste de son album pour voir ce que ça donne. Et en termes d'album, il est composé donc de 7 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, la police utilisée bleue est très très simple. On dirait même une vieille photo Polaroid. Et lui qui pose avec une chaîne blanche. Et pourquoi il n'a pas mis ses biscottos en avant? Non, je rigole. Il a juste une sorte de chemisette blanche. Hein. Très beau, très beau. Très simple, très épuré. Dans le même ton de couleur que son MV. Donc, voilà, tout est cohérent pour ma part. Et vous, mes chers Mimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez errer avec lui dans la rue. Non, je déconne. Bah, peut-être pas, hein. Peut-être que vous voulez errer avec lui dans la rue. Moi, pourquoi pas, en belle compagnie. Soit, je vais arrêter de dire des conneries, je veux plutôt dire, mais est-ce que vous, mes chers Mimilo, vous avez apprécié tout simplement son retour, ce titre phare, également le MV qui l'accompagne, si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter l'intégralité de son album, est-ce qu'il y a un autre titre que vous préférez de ce nouveau album? Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye, c'est Yonora. Oh.